Vous savez, d'une façon régulière, je vous tiens au courant des résultats des dons qu'on peut avoir faits. Quand il est question de terre, vous savez que c'est pour développement et paix. Notre collègue Jean-Claude Rioux se fait un devoir d'aller livrer toujours les dons qui nous sont faits. Et il y a environ plusieurs semaines, en tout cas peut-être il y a 2 mois, je vous avais dit que nous avions eu un don extraordinaire de 4000 teintes, ce qui était vraiment énorme. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir et la grande joie de vous informer, de vous dire qu'un de nos paroissiens, patiemment, passionnément, pendant 35 ans, a accumulé des timbres. Lors de son décès, au mois de juin, il a donné toute sa collection à son ami Jean-Claude. Et Jean-Claude a tout calculé ça. Et pour développement et paix, on va offrir un don incroyable de 1 960 000 timbres. De l'avis même de développement et paix, c'est le plus gros don de timbres qu'ils ont jamais reçu. Et de telle façon, de telle sorte qu'ils sont eux-mêmes venus les chercher. Donc, merci à Denis Goyet. Merci infiniment à Denis, qui est un paroissien de notre paroisse. Et moi, ce que ça me rappelle, c'est que chacun de nous, au fil des ans, au fil des jours, on pose des gestes, des petits gestes qui se paraissent toutes simples, mais qui, à la fin d'une vie, peuvent avoir une très grande importance. Alors, merci encore à Denis et je vous souhaite une magnifique semaine. À dimanche prochain!